Allez, lui à tous et toutes, c'est Nevy et on se retrouve pour l'épisode 31, eh bien oui, 31 épisode de Tales of Exilia 2, le Let's Play. Alors, on se retrouve devant l'auberge de Kambalar, de Kalambar, comme je l'avais dit autrefois, pour une mission secondaire qui va très vite aller, hein, vu que, voilà... On va un petit peu... J'ai enfin de plein de tuyaux. Je pense qu'il y a un 2 en trop, non? Et après, on va dire que j'essaie que je lis mal. Bref. J'ai enfin plein de tuyaux pour un article que je voulais écrire. Ledger, tu mérites vraiment de faire la une. Merci. Non, ça c'est toujours Leila. Moi, je veux parler à elle. Gaius est vraiment un allié puissant, heureusement qu'il est de notre côté, mais je dois avouer qu'il me fait encore un peu peur, ça on avait déjà parlé. Donc la mission secondaire est ici, cette mademoiselle, et on va donc lui parler. Carla, ah, merci beaucoup, aucun doute, c'est bien une plume d'oiseau migrateur. Un instant, je vous ai déjà vu. En effet, vous nous aviez proposé un quiz à Xiandud. À Xiandu, oui. Mais oui, Elise, c'est ça ? On dirait que tout va bien pour tes amis et toi. Et vous n'avez pas changé du tout. Eh bien, c'est fort possible. Mais il semblerait que le fardeau de mon frère soit plus lourd à porter qu'autrefois. Carla est la sœur de Gaius, au fait. C'est pourquoi faire cette plume d'oiseau migrateur. Donc, si vous avez... Voilà. C'était une phrase comme ça qui s'est perdue et qu'on n'a pas vue. Mais la fille à laquelle on est en train de parler, c'est la sœur de Gaius. Donc Arston, donc celui qui est dans notre équipe, donc le roi de Rhizomaxia. Tu aimerais bien le savoir, hein? Alors, il va falloir deviner. Voici un indice, on s'en sert à l'école. À l'école? Bah, une plume pour écrire, quoi. C'est pour chatouiller les élèves qui dorment en cours? Ah non, bzzz, mauvaise réponse. Deuxième indice, Leila aussi en a une. Ah ah, je sais exactement à quoi elle va servir. C'est pour écrire, c'est ça? Bingo! Nous avons une gagnante. On dit que si l'on écrit avec une plume d'oiseau migrateur, le texte restera lisible pendant 1000 ans. Non. Ça c'est faux, ça dépend de l'encre que tu utilises et le papier que tu utilises. Bref. Ce qui s'avère parfait pour rédiger des mémoires. Des mémoires? Alors... Oui, je vais écrire la biographie de mon frère. Ah. Gaius? Le roi Gaius est un grand personnage historique. Et ce genre de dirigeant peut rester dans l'histoire comme un héros ou comme un monstre, tout dépend de la personne qui raconte. Je ne compte pas me concentrer sur sa vie politique ou son impact sur l'histoire de toute façon. Ce que je veux écrire, c'est la seule à pouvoir... Je suis la seule à pouvoir le faire. Je vais raconter l'histoire de mon frère, Erston Otway. C'est merveilleux. Vous avez changé, Carla. Ça me plaît. Dis-moi. Tu penses que ça te dérangera, que ça me dérangera mon frère si je révèle au monde qu'il ne supporte pas la nourriture épicée? Je pense que ça ira. On dirait que tu as de la concurrence pour ce scoop sur Gaius Leila, effectivement. C'est du français. Ah oui. Il faut plus qu'une belle plume pour me voler une idée d'article. Bref, c'était la petite mission secondaire que je voulais vous faire part. Et voilà, je gagne 2 galdes et elle vient me casser les couilles. Ah, j'aurais peut-être pu lui donner au final. Rapport de mission de Carla, plume d'oiseau migrateur. On va pouvoir... Et vous allez voir, hein. Je vais juste passer la porte. Je passe juste la porte. Bam! Mais je ne veux pas lui donner pour le moment. Heureusement, j'avais le son coupé, donc je n'entendais pas sa voix désagréable. Et je vais pouvoir faire mon rapport. Ah, vous pouvez constater que j'ai quand même fait quelques contrats. Il y en a plus beaucoup. Alors, il y a toujours ces contrats-ci que je peux pas faire parce qu'il me faut la broche de bronze. Et là, j'ai la plaque en bronze. Donc, je suppose que la broche, ça va être après la plaque. Mais sachant qu'il y a beaucoup dans le tunnel de Navla. Et je ne sais pas par où on va passer actuellement. Mais on avait déjà été dans le tunnel. Hein, donc, on va quand même prendre tout ce qui est dans le tunnel. On sait jamais. Au pire, on abandonnera les missions, c'est pas grave. Ça, c'est des objets à ramasser. Mais ça, c'est des missions que je ne peux pas prendre. Il y a le chat ici, aux terres de monde, que j'ai pas trouvé. J'ai été dans les toundras, mais j'ai pas pensé à regarder après les chats. Ça, c'est malheureux, je pourrais y retourner en off. Mon chat patron a été aperçu. Un homme qui déblayait de la neige sur son toit de la zone résidentielle l'a vu passer.
Ah, il est peut-être sur les toits. Bon, ça aussi, ce sera quelque chose à voir en off, peut-être. Et attention, elle va nous refaire chier. Ah non, il y a d'abord ça. Pourquoi ces ennemis ont-ils de cette façon? Je les trouve assez déstabilisants. Voilà. Forcément, elle vient nous péter les couilles. Et cette fois-ci, on va payer le dû. Ce truc d'agent, ça va être fastoche. Après tout, ton enfer est le meilleur de tous. Ta gueule. Voilà, nous pouvons donc avancer dans l'histoire. On reçoit un appel, comme d'habitude. Ici Vera. Nous pensons avoir localisé l'ancien directeur Julius et probablement le jalon qu'il a emporté. Votre assistante est requise. Monsieur Klesnik. Veuillez rejoindre l'équipe du directeur Reddo au Havre d'Aladi le plus vite possible. Ah, on va retourner en arrière. Alors, il y avait quelques... Attendez, je vais attendre la fin. Il faut qu'on récupère ce jalon. Tu te fous de ma gueule ? Va niquer ta putain de merde, connasse. Putain. Mister Lunette s'est encore enfoui ? Oui. Alors, donc comme je disais, on va devoir retourner en arrière. Et ce que j'avais repéré, c'est que nous n'avons pas énormément vu Enempios. C'est-à-dire qu'il y a trois villes au grand maximum de nouvelles que nous avons pu voir à Enempios. C'est vraiment peu. Je croyais qu'on allait voir autre chose. Et au final, on se retrouve à pas voir énormément d'Enempios. Donc, pas d'énormes choses de nouvelles en tout cas. Pas d'énormes nouveaux lieux. Alors, par contre, j'ai oublié une chose, c'est de dormir du coup. Ah mais non, hein! We have your wallet surrounded. Give up the gold and sale nobody pute. Gets hurt. Sale pute, sale pute, sale pute. Tu me fais chier. Give me the goods and I'll give you the... Crognasse. Putain. Obligé de lui donner 90 000 alors que je voulais m'en servir pour pouvoir acheter des équipements. Crognasse. Bon, ici au moins on aurait été sauvé. Prochain paiement, 100 000, comme par hasard. Là, on n'a même pas les 100 000, donc elle ne nous fait pas chier, c'est tout ce qui compte. Du coup, on va aller au Havre d'Aladi. Le v'là. Entrée du Havre. C'est là-bas. Très bien. On va juste faire un petit tour avant dans les magasins. Oula. L'étoile d'araignée, c'est dégoûtant. Tout gluant et... Arf, Reddo est là. Ah oui, d'accord, c'est ce connard-là. Je me souvenais plus. Ah oui, mais je suis dans une... Donc c'est effectivement par ville qu'on reçoit les... Qu'on reçoit tout ce qui est équipement, etc. Par contre, je peux peut-être me faire des équipements. Oui, j'ai acheté... Enfin, je me suis fait ces armes-là. Donc des lames Prométhée. Par contre, j'ai pas encore assez pour, par exemple, pour me faire le grenat. Est-ce que je peux faire le grenat? Je ne peux pas faire le grenat parce qu'il me manque des mues d'insectes que je récupère, je sais pas où. Bref. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avancer. Je vais faire une sauvegarde rapide parce que je sens qu'on va se retaper au Reddo comme boss ou l'autre trou du cul d'Ivar. Au final, c'est tous les deux des. Non, Ivar est plutôt con. Reddo est plutôt un enculé de service, effectivement. Le directeur Reddo attend. On a pris des capacités. Au passage, je vais vous montrer aussi de ce que... Regardez tout ce que je viens de gagner comme capacité. J'ai énormément repoussé les attaques normales à deux lames étourdies des ennemis, quelle que soit leur taille. Ouh, je prends. Je vais vous montrer au passage tout ce qu'il y a ici. Hein, tout ce que j'ai gagné. Tentation... voilà, on va mettre ça. Elle, non, je vais pas lui garder. Oui, désolé, je passe par le menu des capacités, mais en même temps, vous pouvez voir un petit peu de ce que j'utilise comme capacité. Permet de récupérer lentement le DPV en restant immobile en plein combat. Ça peut être utile, sachant que bien souvent l'IA reste immobile. C'est vrai, hein.
Tac, voilà. 13. Là, je leur mets des trucs que je m'en fous un peu. Ils peuvent être initiés en art spirituel. Super. Super. Ouf! Elle en a beaucoup, par contre. Alors, toujours d'abord ici. Parfait. Ça m'intéresse pas. Garde absolue, non. Combo aspiration permet de rien tous les 9 coups. Ça peut être intéressant. Récupération de pété, non. Permet d'utiliser des objets tout en se déplaçant. Ah, ça c'est utile. Ça c'est le truc utile. Alors voilà, lui c'est Gaius, c'est celui que j'avais oublié de mettre. C'est merde. Temps de récupération des ennemis augmente. D'accord. Ce que j'avais oublié de mettre, c'est ses capacités la dernière fois. Donc j'ai réduit les dégâts de 90% quand vous utilisez une garde au bon moment. Tiens, ça peut être utile pour lui. Ça peut être utile aussi, ceux d'annulation. Et voilà. Voilà, moi j'aurais fait tout ce qui est là. Je vais refaire l'équipe. C'est-à-dire que Mila. Merde, ça c'est les capacités. Voilà. Mila, tu m'intéresses pas forcément. Je vais prendre Gaius. Voilà. Gaius, Elise, Jude. Jude qui est très intéressant aussi. Et Elise, toujours. Ma petite Elise. Voilà. Poursuivre le scénario principal. Mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est poursuivre ce scénario principal. Chapitre 9. Un chant résonne dans la cascade. Eh bien, vous en avez mis du temps. Dame Mi. Arrête de m'embrouiller le cerveau, usurpatrice. Quoi? D'abord, tu m'entraînes dans cette histoire, pas possible. Ensuite, tu m'insultes. Comment oses-tu? Pardonnez-moi. Elle est aussi sévère que l'autre, mais d'une façon différente. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il n'y a pas un peu bronzé, Ivar, là? Et donc, la vraie Mila, elle est toujours parvenue? Non. Musiette la recherche, mais... Musette... Moi, je sais pas, je vois. Hey! Pourquoi il porte des lunettes bizarres, monsieur Redo? Il essaie de cacher des choses. Ce bon vieux Julius lui a bien démonté la tronche avant de prendre le large. Je veux voir! C'est vrai que ça vaut le coup. Allez, vous tous, au travail. Vos désirs sont des ordres, monsieur. Ce cher Julius a été repéré ici même, dans le Havre. Séparez-vous et ramenez-le moi. Ok, on s'occupe de la partie ouest. Bon, dans ce cas, nous, on se charge d'Amil. Comme au bon vieux temps. Nous, on s'occupe des voies maritimes. Vous avez une place pour moi? Hein? Pourquoi? Je m'intéresse à ce que vous faites, vous autres agents. La curiosité est un vilain défaut, fatal parfois. Je prends ce risque. Et voilà que je me retrouve avec ces deux dingos, la poisse. Non, mais tu es aussi. Je veux Julius vivant. Tu as bien compris? Mais t'inquiète pas qu'il sera vivant. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ah, du coup, nos équipes se séparent, donc j'ai refait mon équipe pour rien. C'est là que je vivais quand j'étais petite. À mon avis, t'es encore petite. Lol. Pourquoi Mister Lunette est parti, à ton avis? Il devait avoir une bonne raison. Alors, je vais être avec ces deux dingos. Non, mais Ivar, t'es le plus dingo des deux, je pense. Eh ben, ça devient lourd, là. Finalement, il n'y a pas... Ouais. Mais eux, trois, ils font une belle équipe de bras cassés. Ça, c'est sûr. La mer, c'est ça. Donc, du coup, je me retrouve avec Mila. Alors, ça, c'est... Élise, ça fait plaisir. Ça, je la garde. Ça, je suis content. Mais Mila, c'est pas forcément celle que je préférais. Je préférais Gaius. Voilà. À choisir, je préférais Gaius. Donc, du coup, chercher Julius à Amil. Ah, donc, nous, on doit aller à Amil. Donc, du coup, il y a les quatre là qui sont ensemble. Nous devrions essayer de chercher du côté occidental de la grande route. Ledger, vous et les autres, dirigez-vous vers Amil. Alors, prends la grande route vers le nord-est pour aller à Amil. Oui. Bien sûr qu'il faut qu'on le capture vivant. Parfois, on dirait que Redo fait exprès d'être le plus sinistre possible. Ah, bon sang, ton frangin commence à nous vous en faire voir des vertes et des pas mûres. Eh oui, venant de moi, c'est pas peu de dire. Hein. D'accord. Alors, il faut aller à Amil.
j'aurais préconisé le fait est de vous. Attendez, c'est où Amil déjà de base? C'est là-bas, Amil. J'hésite à me téléporter directement là-bas, mais j'ai peur. Ah, je voulais voir la tête de Redo. Miaou. J'ai peur de louper des synathèses. Donc je vais un petit peu marcher, voir s'il n'y a pas des synathèses qui se lancent. Au pire, de toute façon, je peux courir. Normalement, je vous ai fait un montage, ou je vous ai fait au moins un screen, ou quelque chose, un petit truc, avant cet épisode, vous montrant un combat contre un boss. Donc, enfin, c'était un boss que j'avais trouvé. Comme par hasard, en fait, je venais justement de quitter les... où on était à la fin de l'épisode 30. À la fin de l'épisode 30. J'étais encore dans les trucs de lave, là. Et je venais juste... Je me suis dit, bon, je vais continuer. Au moins, ça me déverrouillera la zone. Et j'ai continué, et je suis arrivé, donc, sur une route, et, bah, première route que je vois, bah, bim, direct, le monstre. Moi, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire. Je vais le faire, je vous ai filmé ça. Je vais pas vous mettre tout le combat, hein, mais au moins que vous voyez que je l'ai fait, comment j'aurais pu le faire. C'était un monstre assez simple. Au final, ce qui m'aura permis quand même de gagner 40 000 galds, hein, c'est pas rien. Donc nous voici à Amil. Donc il n'y a pas eu de synathèse, contrairement à ce que j'espérais, c'est dommage. Il y a très peu de synathèse, j'ai l'impression, comparé à d'habitude. Alors cherchez Julius à Amil. On est bien à Amil, là. Oui, on est à Amil. Il n'y a rien qui nous indique qu'il peut y avoir quelque chose ici. Que ce soit en bas ou en haut. Ah non, là c'est un chat. Donc on va sûrement marcher. Ah ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. On va sûrement marcher. Il y a une cutscene va se lancer. C'est Musée. Vous n'êtes pas en train de faire du mal à ces villageois, j'espère. Je ne ferai jamais une chose pareille. Musée. Mila? Non, c'est pas les mots, à moins que... Ainsi, qui êtes-vous? Je suis l'ancien Maxwell, ravi de vous rencontrer. Je ne comprends pas. Et là, on lui explique, de toute façon, ça sert à rien de le refaire. Les dimensions paradoxales, le pays de Cannes. Ça vous dit quelque chose? C'est possible. Mais c'est cette voleuse de poranges. Ça, qui ça? Musée? J'avoue, mais j'avais faim. Ah bon? Les esprits ont faim, eux aussi? En vérité, non. Mais Mila m'a fait découvrir le plaisir de déguster les bonnes choses. C'est vrai? Ce n'était pas moi. Ouh, téléphone, comme d'hab. Dimension paradoxale. Un agent non autorisé s'est introduit dans une dimension paradoxale. Nous pensons qu'il s'agit de Julius Kresnik. Il nous apparaît de forts problèmes que ces dimensions abritent un géant de Kenan. Luger, il faut y aller. Pas si vite. Il y a fort à parier que ce Julius n'attend justement que ça. Même si c'est le cas, ce serait ridicule de laisser passer une occasion pareille. Dans ce cas, Luger, accepterait-il que je vous accompagne? Non, casse-toi, connasse. Oui, mais pourquoi? Bien sûr. Je tiens à avoir cette demoiselle à l'œil. Si elle est comme Mamila, elle peut se montrer utile. Je n'ai pas besoin d'une babysitter. Et une siphonée de plus dans le groupe, mon Rollo. Hey, si c'est une de vos amies, Nadvou va devoir me rembourser. Bon, bah je rembourse. Musée, tu vas devoir rembourser le jeur de... Tu vas pas rembourser le jeur, tu me fais des reproches? Quelle adorable petite insolente. Dépenser sans gald. D'accord. Waouh, vous avez vraiment changé. Vous ne faites presque plus peur du tout. Oh, mais c'est affreux de dire ça. Je n'ai jamais fait peur à qui que ce soit, enfin. Attendez. On peut la mettre. Je vole! La sœur de Mila. Elle a des ailes de papillon. Elles ne sont pas super? Mais je ne suis pas un insecte, tu sais. Je le sais. T'es un esprit. Comme la grande sœur de Mila. Alors, elle n'est pas du tout comme elle. Ma sœur a une prestance qui impose le respect.
ce que vous pouvez être acariâtre. Sachez qu'autrefois, moi aussi, j'ai imposé le respect. Je ne sais pas si respect est le mot que j'utiliserais. En gros, c'était une vraie psychopathe. Une psychopathe ? Comment se fait-il que tu aies autant changé ? Je ne sais pas comment tu étais avant, mais j'apprécie celle que tu es aujourd'hui. Oh, Ledger. Tu ne serais pas en train de me draguer ? Si, un peu. T'es en train de la draguer ? Hein ? Du calme, c'était visiblement une blague. Bah non, c'était... C'était pas de la drague, c'était, comment on dit ? Un compliment. Bien sûr, mais... N'est-ce pas de cette manière que commencent les plus belles histoires d'amour ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ça aussi, c'était aussi une blague. Oui, bien sûr. Finalement, moi aussi, j'aime bien la nouvelle musée. Je vole ! Wouhou ! Wouhou ! Hey, Style ! Wouh ! C'est stylé ! C'est stylé. Du coup, je vous avais prévenu au tout début de l'aventure qu'on pouvait justement voler avec elle. Enfin, voler, du moins la voir, hein, la contrôler. Et voici fait. D'ailleurs, on peut même la personnaliser et tout, c'est... C'est ridicule. Coiffure à chapeau. J'aime pas trop. Tenue par... Ah merde, elle a qu'une tenue. Bon, j'espère qu'elle a plusieurs tenues, hein, parce que sinon c'est nul. Casquette de Layla. Lunettes de Rowan. Non. Ça va pas du tout sur elle. Sac à dos. Ouais, bof, on le voit pas. J'essaye un peu tout. Hein. Casquette de sport, peluche de mieux, bouée, chapeau de paille. Non. Masque mystérieux. Non. Chapeau pointu. Non. Bon, elle a rien d'extraordinaire qui... La mini-mila sur sa tête. Qui lui irait bien, donc on va la laisser comme ça. Votre chat est de retour. Ah, bah super. Expédition féline. Orbe jaune, graine mystérieuse. Ah, on a même Tom qui nous a rejoint. Si c'est pas parfait tout ça. On va l'envoyer au chemin de Kumer. Donc du coup, il faut aller où ? Entrer dans la dimension. Ah, oui. Il faut entrer dans une dimension paradoxale. Par contre, à 1000, j'avais... Oh, on va sauvegarder. Bon, allez, fuck la vie. Chemin de Amil, le sauvegardant. Aïe! Ouf, je me remets un petit peu correctement. Ah, ça fait du bien. Donc du coup, comment on fait déjà? Oui, comme ça. Ah, et nous allons aux chutes de Kijara. Nous allons aux chutes de Kijara. 2 secondes. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose aux chutes de Kijara? Terre de Moon, Charlton, Niakera. Nope, il n'y a rien aux chutes de Kijara. Nope, il n'y a rien. Donc du coup, on va y aller. Ah, et c'est des personnages obligatoires de toute façon. Et nous ne sommes que 4, donc je ne peux pas choisir avec d'autres personnages. Chapitre principal. Waouh. Alors c'est ça une dimension paradoxale. Je me demande si le climat spirituel lumineux est différent. Il y a des monstres qui se font passer pour des rochers par ici. Restons sur nos gardes. Oui, t'inquiète. Tu t'y connais vraiment bien en monstres. Naturellement. Je fais tout mon possible pour les éviter. Peureuse. Alors du coup, c'est pas forcément les monstres qui m'intéresseront le plus ici dans le chapitre principal. Continuez d'avancer. Oui, très bien. Donc nous allons continuer d'avancer, écoutez. Tout en ouvrant... Ouh, blouse de marin. Ah, ma petite Élise l'a déjà. Oups, il y a quelqu'un qui nous a spotted. Non, c'est pas les capacités que je voulais aller voir, c'était les équipements. Merci quand même. Cape d'argent. Ah, bah voilà, ça c'est un petit peu plus intéressant pour elle. Est-ce qu'elle a pas quelque chose de plus intéressant ici? Bah si, regardez, bandeau d'argent. Ah, sauf que, attendez. Ouais, j'aurais pu le mettre sur elle aussi. Ah oui, mais non. Qu'est-ce que je voulais savoir? Elle a pas beaucoup de points de vie, un musée, par contre. C'était, oui, voilà, l'orbe d'allium. Si elle en avait une... Oui, elle en a une. Vous voyez, déjà, on a... voilà. De ce que vous pouvez voir en dessous, au-dessus à droite, plutôt, ce sont tous les personnages jouables du jeu. Voilà, vous les avez tous.
C'est beau, non? C'est beau, l'amour. Qu'est-ce que l'amour vient faire là-dedans? Je n'en sais rien. Ne posez pas cette question. Mort feinte. Oui, ça m'intéressait à ce qu'il l'est. Lame de tigre. Voilà. On va lui mettre ça. En tout cas, waouh. Il y a combien de personnages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9? 2, 4, 6, 8, 9. Ah ouais, il y en a 9. Il y a 9 personnages contrôlables. Alors forcément, vous n'êtes pas obligé de les stuff à fond. Sinon, bon. Je sais qu'il y a certaines personnes qui... que je connais qui n'aimaient pas trop le fait qu'il y ait autant de... qu'il y ait beaucoup de personnages. Parce qu'ils devaient les customiser à fond. Enfin, ils se sentaient obligés de les customiser à fond. Voilà, il y a beaucoup de personnages, moi genre Rowan que je vais pas beaucoup me servir, lui de base, voilà quoi. Je sais que Alvin est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément celui que j'utiliserai le plus. Il y a des personnages plus intéressants à utiliser en combat. Ah, afficher la capacité, il y a un combat. Non mais ça je m'en fous. Je vais me lier avec Musée, du coup j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à me lier avec Musée, comme ça je vais savoir c'est quoi sa capacité. Tu te fous de ma gueule, salope. Sale chienne. Chienne galeuse, casse-toi. Je ne vais pas être poli envers, la personne qui arrête pas de me saouler. Hein, vous vous rendez compte qu'elle m'a saoulé plus de 1000 et quelques fois, donc... vous comprendrez la haine que j'attise pour ce personnage. Tiens, d'ailleurs, comment elle fait, là? Elle vole, d'accord. Oui, elle vole. J'allais dire, elle va monter avec ses petites piètes, avec ses petites pattes, mais non, pas du tout. Hop, on va essayer de l'éviter, ce monstre. Ou pas, je vais pas y arriver. Ah si, parfait. C'est par là que je dois aller. Oui, c'est par ici. C'est par ici que je dois venir. Ah, après une capacité. C'est marrant parce que Gaius et tout prennent des capacités alors qu'ils sont pas, avec moi. Ah, chargement, c'est que ça doit être par ici. Oh, un coquillage qui brille. Non, n'y va pas. Ne t'éloigne pas comme ça, elle. En plus, je me l'ai déjà dit de pas s'éloigner. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à emmener cette fillette. Bon, c'est un peu la clé, donc bon, on peut pas leur dire. Peut-être que les humains se sentent mieux quand ils ont quelqu'un à protéger. Toi aussi, c'est ce que tu ressentais? Je ne sais pas. Je ne suis pas humaine. J'avais oublié. Mais je suis sûr d'une chose, je ne veux plus être seul. Je comprends. C'est le calme avant la tempête, j'ai l'impression. Oui. Hey, où vas-tu comme ça? Il est aussi incorrigible que cette fille. Yet. Bah. Coucou Julius. Ça alors, voilà un fugitif bien insouciant, chotonnant comme si de rien n'était. C'est une chanson de mon enfance, ça me rappelle le passé. J'ai pas entendu de chanson, moi, personnellement. Elle s'appelle Ode à la patience et évoque le désir de retrouver un être cher. Elle est tout à fait de circonstance puisque mon frère est là. Cette chanson est effectivement de circonstance. Tu as toujours aimé cette chanson, Julius. Non, c'est toi qui l'as toujours aimé. Depuis que tu es bébé, même, il suffisait que je te fredonne quelques notes pour qu'elle t'apaise. Tu te souviens de cette excursion quand on était petit, cette fameuse fois où on s'est perdu dans la montagne? Les orties, les grizzlies et ce terrible orage. Mais dès que j'ai commencé à chanter cette chanson, tu as cessé de te gratter et tu t'es remis en route. De te gratter? J'ai voulu te porter, mais tu m'as repoussé en criant « Non, je peux marcher tout seul ». On a marché toute la nuit jusqu'à ce qu'on atteigne enfin un village. J'avais plus mal à la gorge qu'aux pieds à force d'avoir chanté. Ce n'est pas par amour pour ton frère que tu nous as fait venir ici jusqu'ici. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu peux garder la montre.
Mes priorités ont changé. Je veux la fillette. Elle. Elle a déjà un père. Si tu refuses, je serai obligé de l'emmener de force. Mais je refuse. Explique-moi d'ailleurs pourquoi la garde tue toujours à tes côtés. Pourquoi je garde toujours elle à mes côtés? Parce que j'ai besoin d'elle. Je lui ai promis qu'on irait ensemble au pays de Canaan. Arrête avec Canaan. Cette voie ne nous mènera qu'à notre perte. Saurais-tu quelque chose que nous ignorons? Je connais la cruauté de l'épreuve d'origine. Je te le jure, si je fais ça, c'est uniquement parce que je tiens à toi, plus que... Elle a des ennuis. Et Jude, t'étais pas censé être là, hein? Le catalyseur! Oula. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce monstre a utilisé un art spirituel bizarre sur elle. Oui, les arts de soins ne marchent pas, même pas. C'est un art de stigma. Oh oh. Attention! Oh oh, il est invisible. Il a disparu. Qu'est-ce qu'un art de stigma? Un art spirituel qui épuise progressivement la force vitale. La seule façon d'en neutraliser les effets est d'éliminer son canaliseur. Le canalisateur, c'est-à-dire ce monstre? Oui, le spectre des chutes. Quoi? Mais c'est l'un des jalons de Canaan. Fort heureusement, ces créatures n'existent plus dans notre dimension. Elles attaquent à l'aide d'art de stigma, ce qui leur évite de se faire repérer. Une fois sa proie immobilisée, le monstre survit. Tiens bon, elle, sois forte. Si tu abandonnes, tu ne verras jamais la Pinou pour de vrai. Bonus d'Élise. Mais si tu t'accroches encore un peu, je te promets que je ferai tout ce que je peux pour que tu le rencontres. Élise, si tu continues à mettre autant de pression sur ton lobe de mana, tu vas mourir avec elle. Mais je lui ai fait une promesse. Oui, et il faut toujours tenir ses promesses. Continue comme ça, et c'est la mort assurée. Que dois-je faire? Il doit y avoir une... Je vais te... Quoi? Mais c'est de la folie! Je crois que je vais vomir. Tu utilises ton propre sang pour l'attirer? So you'd go that far. She must mean a lot. Ready? Je vais pas avoir Elise avec moi durant le combat, j'ai l'impression. Luger. Protect that girl to the. Tu devras la protéger jusqu'au bout. No matter the cost. Quoi qu'il en soit le prix. Aïe, lui s'est fait exclure comme une vieille bite. Me dis pas que je vais être tout seul. Tu me chier dessus si je suis tout seul. Non. Et Elise est avec moi. C'est parti, mon kiki. Wouhou. Il a combien de points de vie, vous faites? 127 000 points de vie. Oh, ça va. Il a moins de points de vie qu'un autre. Bon, il est quand même niveau 39. Hein. Il est moche, hein. Il a une tête assez... assez moche. J'ai compris que faire les combos, ça faisait plus de dégâts que d'habitude. Je vais me lier avec Musée. Peut-être qu'on va avoir d'autres... Non, pas du tout. J'allais dire peut-être qu'on va avoir d'autres... d'autres arteliers, mais apparemment pas du tout. J'ai pas eu le temps de faire mon autre arbre, c'est pas grave. Du moins, on leur a fait quelques dégâts. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Alors, Élise, si tu veux bien. Non, 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 nous soigner, nous. Ah, voilà, c'est gentil. Merci, Élise. Je t'apprécie. Ah, l'enfoiré, il nous met exactement la même chose qu'à... Ouh, je peux me transformer. Donc, j'ai compris que en faire Apocalypse... Ouh, j'avais jamais réussi à le faire.
que faire toutes ces petites combinaisons là, en fait, c'était plus puissant que de spammer les trucs de base qui sont ceci en fait. J'ai compris que ça. Je l'ai tué ? Ah non. Ah merde, on va perdre Elise. Oh oh. What the fuck? The Chromatus. He changed. J'ai évolué. Je suis un Pokémon. Ah! Attends, follow une attaque, appuyez sur R1 et maintenez. C'est une arme mystique! On fait. Ah si, finalement on a fait du dégât. Et je l'ai tué. Yeah! Wouhou! L'arme mystique! Oh, oh, ça c'est cool, l'arme mystique! Oh, ça c'était. Ah! C'était épique. Épique, 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 collégramme. Super combo avec transmutation. Lorsque vous êtes transmuté, vos attaques n'ont pas d'attribut et vous ne pouvez donc pas effectuer de super combo. Cependant, si vous vous transmutez alors que vous êtes en train de réaliser un super combo, celui-ci continuera après la transmutation. Pour infliger d'énormes dégâts à un ennemi, il est donc judicieux d'effectuer un puissant super combo et d'enchaîner immédiatement avec une transmutation. Mais je vois pas de ce que c'est un super combo, j'ai oublié. Bref. Genre... On a évolué, je suis un Pokémon. Du coup, j'ai plein de titres qui me viennent en tête pour cet épisode, mais je vais hésiter. Elle, tu vas bien? Dis quelque chose. Quel soulagement. Il y en a deux, carrément. T'en as eu deux? Ledger en a un, et Julius lui a donné celui qu'il t'avait. Scène bonus, Elise. Elise, pourquoi tu me criais dessus comme ça? Désolé, j'ai essayé de t'encourager. Ah, je comprends mieux. En tout cas, merci. C'est pas une peste finalement, cette petite. Bien sûr que non, vilain typo. La Pinou n'a pas de temps à perdre avec des pestes, c'est bien connu. Que dois-je faire? Il faut dire que faire équipe avec vous tous, ça forge. Hein, même notre gringalet préféré commence à avoir l'air un peu plus costeux, vous trouvez pas? Costaud. Costeux. Tu t'inquiètes pour ton frère, j'imagine? Si je m'inquiète pour mon frère, bien sûr, c'est ma seule famille, je lui aime bien. Je ne m'en fais pas pour lui. Je suis sûr qu'il va bien. Hey, Ledger. Oui. Aïe. Ça a cassé la gueule. Comme toi, il a lui aussi quelqu'un à protéger. Chapitre 9. Un chant résonne dans la cascade. Fin. Ah ben, on aura fait tout le chapitre ensemble durant cet épisode, écoutez. Ah, petite synthèse. Grande nouvelle, tu peux désormais te rendre au Havre de Leronde et à Drelin. Ah, bah moi qui disais justement qu'on n'avait pas vu beaucoup de villes de Olympios, ça va peut-être être le cas maintenant. En fait, je suis moi-même sur le point de me rendre à Drelin pour une affaire. Ok, on va à Drelin et on la bute. Quel genre d'affaire? Ce genre, du genre différente. Je suis une fille très occupée. Mon travail ne consiste pas uniquement à te harceler. Ah là, mais pour me harceler, tu me harcèles, hein, grognasse. Plus de 1000 fois, je te comprends, moi aussi, j'ai beaucoup de choses sur le feu.
Grâce à Julius, Ledger et son équipe ont récupéré un nouveau jalon. Pourquoi ne pas essayer de rembourser votre dette en attendant que l'on vous contacte pour le jalon suivant? Vous pourriez aussi en profiter pour visiter les nouveaux lieux accessibles au cas où certaines restrictions de déplacement auraient été levées. Cette fois, vous avez accès à de nouvelles zones d'Olympios et de Rhizomaxia. Vous pouvez ainsi vous rendre à Drelin en train et à Leronde en bateau. D'accord. Vous avez aussi vous avez appris les capacités suivantes que vous pouvez utiliser une fois transmuté. Kresnik 2, Trans, Moisson de Puissance. Ces capacités augmentent la durée de votre transmutation et l'efficacité de l'orbe d'Allium. Alors n'oubliez pas de les activer dans le menu et de les mettre en pratique. D'accord. Lui 20 000 gal. Pourquoi la mer est bleue? Parce qu'elle est toujours bleue. Parce qu'elle est toujours bleue. D'accord, super. Merci. Donc du coup, notre chat est de retour. On va vite le renvoyer. Tac. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un épisode fort en émotion. Hein. Elle était un petit peu dans le caca, si je puis dire. Comme ça, et donc du coup rembourser une partie de votre dette, voilà, ça je vais le faire un peu en off, et je vous reprendrai après, peut-être pas en finale, on va peut-être partir, oui, voilà, on va pouvoir partir sur les histoires, ah bah tiens, ça je pouvais pas y aller, maintenant je peux y aller, sur les histoires des autres personnages, du coup on avance que très peu au final, hein. Mais l'histoire est comme ça, attendez, là c'est pour, oui, on a quand même quelques trucs à faire, hein. Donc, pour le prochain épisode, j'aurai un petit peu remboursé ma dette, ou peut-être pas. Parce que si je commence à la rembourser, après elle va venir encore me harceler. Donc, le prochain épisode, on va directement aller faire leurs histoires. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Un bon boss, un bon chapitre 9, qui aurait été plein d'émotions et plein de nouveautés. J'espère que cet épisode vous aura plu, je pense déjà l'avoir dit quelques fois. C'était Nevy, à la prochaine. Bye!